Merci, chers collègues. Pour le République en marche, Monsieur Xavier Roseren, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la Ministre Jacqueline Gourault pour la disponibilité et l'écoute dont elle a fait preuve lorsqu'elle m'a reçu au ministère avec mes collègues de La République En Marche de la Haute-Savoie pour échanger à propos des gens du voyage. Le 9 mars dernier, lors de son déplacement sur notre département, Madame la Ministre avait déclaré: « Nous souhaitons agir par le biais d'amendements dans le cadre de futurs projets de loi. » L'agenda parlementaire en a décidé autrement et nous sommes amenés aujourd'hui, en effet, à étudier, dans le cadre de la niche parlementaire des Républicains, une proposition de loi issue du Sénat qui vise à lutter contre les installations illicites des gens du voyage. Comme nous l'avons toujours dit, La République En Marche se veut pragmatique. Il y a incontestablement des difficultés en la matière partout sur le territoire. C'est la raison pour laquelle, lors de l'examen en commission, nous avons soutenu et défendu celle des mesures qui visaient à apporter des solutions concrètes aux élus locaux. C'est le cas de l'article 1, qui clarifie les compétences des EPCI et des communes pour ces questions de l'accueil des gens du voyage. Je pense également à la création d'une amende forfaitaire délictuelle. Celle-ci permettra de mettre fin plus rapidement à une situation préjudiciable. Nous sommes enfin favorables au rétablissement des pouvoirs de police du maire lorsque la commune a respecté ses obligations en termes d'accueil. Un maire qui a rempli ses engagements ne doit pas être privé de son pouvoir d'expulsion au motif que l'EPCI auquel il appartient n'a, quant à lui, pas rempli ses obligations. Mes collègues LR de la Haute-Savoie ont parlé à propos du travail en commission de coupe franche et prétendu que notre majorité avait, je reprends leurs termes, vider totalement de sa substance un texte indispensable sur le terrain. Mais de quelles dispositions parle-t-il? Celles qui visent à assouplir les obligations des EPCI des communes de moins de 5 000 habitants? Celles qui visent à augmenter les peines en cas d'occupation illégale? Ou celles qui visent à saisir les véhicules? Soyons sérieux, regardons la réalité en face. Premier constat: seulement 20% des schémas départementaux sont complets. Et plus de 30% des places en aire d'accueil permanente manquent encore. Pourtant, vous souhaitez assouplir les obligations d'accueil pour 45% des EPCI. Deuxièmement, doubler les peines n'aura aucun effet pratique. Seules 5 peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées sur 60 condamnations en 2016. Enfin, la saisine d'un véhicule servant d'habitation est, vous le savez pertinemment, contraire au principe d'inviolabilité du domicile. Est-ce là les mesures que vous jugez indispensables et utiles? S'agit-il vraiment, selon vous, de mesures réalistes et propres à résoudre cet insupportable problème des occupations illégales? En conséquence, nous estimons que le texte issu de la commission est cohérent. Il permettra de doter les communes de nouveaux moyens pour faire cesser une situation illégale. Il permettra d'apporter des réponses adaptées et de mettre fin à des situations dont nous savons bien qu'elles sont vécues difficilement, aussi bien par les élus que par les habitants. Le travail mené en commission, et permettez-moi de saluer à ce titre mes collègues de la commission des lois, et en particulier Didier Paris, responsable du texte pour le groupe. Ce travail mené a donc permis d'éviter l'inscription de mesures stigmatisantes, disproportionnées, incohérentes et inapplicables. Ce sujet, comme tous les autres, mérite mieux, mes chers collègues, que de l'affichage politique. Ce problème des gens du voyage handicape de nombreux maires et nous leur devons un travail sérieux avec de réelles solutions. Vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche est bien entendu ouvert au débat et soutiendra celles des dispositions qui faciliteront vraiment le travail des maires. Et c'est un ancien maire qui vous le dit. Nous nous opposerons par contre à toute création d'un droit qui stigmatiserait les gens du voyage ou toute disposition qui ne serait qu'un effet de manche, serait inapplicable ou n'aurait aucun effet concret. Je vous remercie. Merci, chers collègues.